Mort de Michael Donnard, ancienne étoile de l'Opéra de Paris. Michael Donnard est décédé dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 février 2023. À l'âge de 78 ans, il avait marqué l'histoire de l'Opéra de Paris où il était danseur étoile. L'étoile s'est éteinte. Le danseur Michael Donnard est décédé à l'âge de 78 ans. Annoncé José Martinet, directeur de la danse de l'Opéra de Paris, vendredi 17 février 2023. Un autre grand de la danse est parti cette nuit rejoindre les étoiles, a-t-il commenté sur Instagram. Faisant référence à la mort d'Attilio Labi, également danseur de l'Opéra, fin janvier. Et d'ajouter, cher Mika, Perpchichor, la muse de la danse, note de la rédaction, doit être content de t'avoir auprès d'elle. Nous, tu vas beaucoup nous manquer au nom, s'est empressé de commenter Marie-Agnès Gillot. L'Opéra National de Paris apprend avec tristesse la disparition de Michael Donnard. Danseur étoile, comédien et pédagogue, survenu le 17 février 2023 à l'âge de 78 ans et rend hommage à son immense talent. Qui a brillé sur la scène de l'Opéra de Paris pendant plus de 35 ans. Son nom restera jamais associé à notre maison. A-t-on également pu lire sur le compte d'un ballet de l'Opéra. Michael Donnard avait commencé le ballet à l'âge de 18 ans, par une formation à Tarbes. En 1963, il avait rejoint le ballet du Capitole, à Toulouse. Après un passage au ballet de l'Opéra de Nancy. Il avait passé les sélections de l'Opéra de Paris et avait été admis en 1966, avant de devenir étoile en 1971. C'est là-bas qu'il avait rencontré Maurice Béjart qui lui avait donné le rôle-titre dans sa version de L'Oiseau de Feu de Stravinsky. C'était un prince de l'opéra, un danseur qui a ensoleillé la scène. À la sortie de L'Oiseau de Feu, il a été accueilli comme une rockstar, a confié Brigitte Lefebvre, ancienne directrice de danse de l'Opéra. Auprès du Parisien. En 1989, Michael Donnard avait mis fin à sa carrière de danseur. Dans les années 2000, il était revenu à l'Opéra de Paris pour donner des cours de danse. La danse est terminée.